Tout le monde se souvient des émissions mythiques de Jacques Martin, l'empereur du dimanche après-midi. À travers des archives rares, ce documentaire diffusé ce soir sur Paris Première dévoile les faces cachées de ce monstre sacré de la télévision qui aurait voulu être un artiste. La richesse des archives est complétée par les témoignages émouvants de ses enfants Élise et David, mais aussi de ses proches amis ou collaborateurs. Son complice Stéphane Collaro évoque son immense virtuosité, Laurent Gérard son impertinence, Frédéric Zetoun sa culture et son ouverture d'esprit. Derrière le provocateur et le saltimbanque se cachait un écorché vif. Marqué par son enfance, livré à lui-même par des parents trop souvent absents, puis envoyé à 6 ans en pension chez les jésuites, l'animateur souffrait autant qu'il amusait. Doutant sans cesse, tout au long de sa carrière, il cherchera l'amour des autres et la reconnaissance du public. Jacques Martin, derrière vos applaudissements, mercredi 4 mai à 21h sur Paris Première, Nicolas Palita.